Salut à tous. On est jeudi 17, il est un petit peu plus que midi et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une session urbex. Alors, en fait, je vais déjà vous parler de ce lieu maintenant parce que je ne sais pas les conditions là-bas, je ne sais pas si on sera proche d'habitation ou si on peut potentiellement nous entendre. Donc autant vous raconter maintenant parce que c'est une histoire assez chouette et sordide sur ces lieux. J'ai mes notes parce que je retiens jamais rien. Je vais peut-être lire un petit peu. Mais en fait, ce château au XIIe siècle, c'était le siège en fait d'une seigneurie. Ça a été habité et il y a à peu près 70 ans, il a été racheté par des héritiers et occupé jusqu'en 97. Un an après qu'il soit vide en fait de toute occupation, le château a pris feu et ça a ravagé une énorme partie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par qui, mais 20 ans après, il y a eu, donc après l'incendie, il y a eu des rénovations qui ont été commencées dans ce château. Donc je ne sais pas pourquoi, quel était le but, si ça avait été acheté, peut-être un restaurant, un hôtel ou des particuliers, je ne sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, tous ces travaux entrepris ont tout soudainement pris feu en pleine nuit, 20 ans jour pour jour après le premier incendie. Donc coïncidence ou pas, va savoir. Mais c'est pas le plus important pour ce château. Non. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'en fait il était très très connu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un crime en fait dans ce château. Le seigneur, c'est un seigneur qui habitait? Non, je ne sais pas. Mais bon, il y a 170 ans, le propriétaire a tué son beau-frère en lui faisant ingérer deux fioles pures de nicotine. Comment on s'est aperçu que c'était lui? Tout simplement parce qu'on a retrouvé du coup sur le meurtrier des griffures du défunt qui essayait de se défendre. On a retrouvé des viscères du défunt dans des bocaux cachés dans le château. Et en fait, il y avait toute une installation pour la nicotine, pour le tabac en fait, c'est ça? Oui. Il y avait toute une installation cachée dans les faux plafonds du château. Voilà ce qui en fait sa particularité. Et ce seigneur-là a été condamné et sa sentence a été la décapitation. Voilà. Donc c'était quand même très intéressant comme histoire. Chouette fallait histoire, le dire. Non mais c'est super intéressant. Enfin voilà. Ben moi je trouve. Il y a de l'histoire, tu vois. Donc voilà. Donc on ne sait pas dans quel état est le château. On ne sait pas. J'espère qu'il n'y a plus les bocaux. En fait, tu nous emmènes dans un endroit maudit. J'espère pas. Arrête, maintenant, je vais me faire peur toute seule. Je commence à avoir chaud. Bon, j'espère qu'on pourra quand même parler là-bas. On va voir les conditions. Si déjà on s'est accédé, c'est pas sûr, hein, parce que on va peut-être encore se faire recaler ou ça sera fermé. Ou je ne sais pas du tout, en fait, là. Donc, ça va être la découverte. Voilà. Ah oui. Et du coup, pour ceux qui ont vu sur notre Insta, là, on est en train de tester la nouvelle GoPro. On a été acheté hier la 9 Black. Et donc, on passe de la 7 à la 9. Donc, logiquement, il y aurait une qualité améliorée. Mais ce qui est génial surtout, c'est que devant, là, à côté de la petite lentille qui filme, il y a un écran retour. Donc, on se voit. Et donc, fini les « Non, trop !»« Non, t'es trop bas !»« Non, tu filmes pas bien !»« C'est pas cadré !» C'est fini, on se voit. Donc, peut-être que je passe mon temps, en fait, à regarder à côté, d'ailleurs. Allez, on se retrouve sur le chemin ou à l'intérieur ou dans la voiture si c'est un échec. A tout de suite. Je fais une petite parenthèse aussi. Je suis totalement désolé, je m'excuse d'avance pour ma formation capillaire, mais il n'y a plus de coiffeur. Il veut pas que je coupe les cheveux. Je l'avais fait en mars, j'avais tout rasé. Allez, à tout de suite. Déjà. Ah, donc c'était là l'entrée. Il y a des voitures qui passent derrière nous. On est complètement à découvert. Regardez la petite tourelle là. C'est quoi ça, Choupi? Là, il y a aussi une petite. On va voir c'est quoi cette petite tourelle. Faire en photo, je vais vers l'intérieur, l'extérieur, et moi je vais vers la deuxième petite là-bas.
Le cul-sac de Caen. Aïe. Oh, c'est pas très très accessible. Bon, d'ici c'est pas mal hein, quand même. J'ai pas envie d'aller dans là-dedans. Allez, on va se diriger vers le château maintenant. Et regardez, c'est quoi, c'est une pelleteuse? Donc ça se trouve, ça c'est des travaux de... 2018. Hein, ça c'est pour les travaux de 2018 en fait. Dingue. Ils ont laissé ça tranquille. Quoi? On n'a pas pris la bonne entrée. On est coincé. Mais oui, je t'ai dit, hein, c'est de l'autre côté qu'on doit passer. Il y a un pont. Mais on passe du coup devant les habitations. Comment on va faire? On va faire tout le tour. Oh non, c'est hors de question là qu'on se fasse coincer, le château il est juste là. Hors de question de ne pas pouvoir y aller. Oh, putain, il y a des habitations là. Regardez, il y a des voitures. Il y a des voitures. C'est de la maison. La maison elle est vraiment contre en fait. Ouais, mais en fait, il faut passer par devant, on n'a pas le choix. Bon, ça pue un peu pour nous parce qu'en fait, il y a vraiment des douves. Tout, je sais pas si on voit bien en caméra, mais tout autour. Donc on s'était dit, bon, vas-y, il pleut pas, il y a moyen, ça va être tout sec, mais absolument pas. C'est rempli d'eau. Donc là, on ne s'est pas passé. Et je sais que de l'autre côté, il y a un pont qui permet d'y accéder. Le souci, c'est qu'il n'y a vraiment que trois habitations ici, parce que celui-là, du coup, on veut le voir. À gauche, contre, il y a une habitation. On va montrer là en blanc. Et là, on est vraiment sur une habitation. Et le seul moyen d'y accéder, parce que par là-bas, il n'y a pas de route. Et c'est des champs, donc là on est complètement visible. Le seul moyen, bon, c'est encore plus visible, c'est carrément de passer dans la maison en fait. Ça, on n'a pas trop le choix. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. On y va? Bon, ben, on va passer devant. S'ils sont gentils, ils nous diront rien. On est passé devant la maison, pas de problème, moi qu'ils appellent les flics et qu'on doit se faire prendre. Le souci c'est que maintenant il y a une grille. Et je sais qu'il y a quelques temps il n'y était pas. Donc comment on va faire? Sur le côté. Sur le côté? Et ça s'écarte pas un peu? On ne sait pas du tout. Essaye. Tu vas vite. La pierre elle tombe pas. Ah, t'as pas des A, tu mets pas dedans toi. Fais gaffe, t'es barré. Ok, non, au niveau de tes jambes, t'es bien. Voilà. Putain, l'enflure. Je suis là. Je vais faire ça, je ferai jamais. Attention, au moment où tu les mets. Ouais. Là, tu enjambes. Voilà. Voilà. Oh, j'ai réussi. C'était pas gagné, hein, me connaissant. Attention, tu vois ça. Regardez là, alors on va aller voir ça. Désolée si on m'entend pas trop, je serais même pas parlé en fait.
les gardiens qui habitaient là. Alerte en Syrie. T'imagines que tu vois des yeux apparaître dans le... Tu crois qu'on peut monter? Il va me dire non. Je pense que là c'est très solide. Là aussi. Vas-y. C'est moi qui vous reprends. Il y a 4 pièces. Un cahier d'école. Oui. Facture 2001. 1211. En téléphonie. Bah dis donc. La maison du quartier, non? Moi je redescends. J'aime pas du tout le sol. Du coup là c'est par là où on a rentré. Là, c'est là où on monte à l'étage. Mais ils ont vraiment tout laissé. Ah, il y avait un restaurant là. Soupe du jour, 3 euros. Quiche Lorraine, croque monsieur, croque madame, spaghetti.
Attends, donc ici c'était une petite taverne. Il va pas vouloir y aller. Ça nous ramène dans la petite allée. J'avais pas fait gaffe à l'entrée, mais ça c'est pas la porte d'entrée. Apparemment, regardez, là il y a déjà des portes. C'était censé être fermé. C'est complètement recouvert par la nature. C'est dingue. C'est dingue. Je croyais que c'était l'extérieur, non, j'avais pas fait attention aux portes. Oh la vache. Tu vois, ça fait un peu barreau de prison. Des portes, hein, une tondeuse. Attends, je vais voir quand même. Ah bah oui, sinon il y a encore les douves. Hein. Décidément. Putain, il y a vraiment la maison là-bas. Mais ça se trouve maintenant, en fait, la porte elle est fermée, on s'est plus rentré. Ça a l'air immense. Mais ça a l'air aussi totalement vide. Sécuritas. Faut passer par là. Vas-y. Thank you.
va se rentrer là. On se rejoint plus tard. Notre seul moyen d'entrer sans rien casser, c'est de pousser des fenêtres qui ont été posées contre la vitre. Parce que l'entrée a été rebouchée et comme on vous a dit, on ne cassera absolument rien pour rentrer. Faut que tu décales à gauche. Ouais, t'arrives pas. Je peux pas. Pourquoi? Parce que t'es pris en super haut là. Attends, je vais t'aider. En métal. On le rénove et on s'installe. Waouh! Oh la vache! Oh, mon dieu! C'est un bijou le truc. Oh non, je veux rester là. Non, 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 on va pas là-haut. Ben non, non, non. Waouh, 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 waouh. Allez, monsieur, madame, j'adore. Studio SPRL, avenue Louise à Bruxelles. Je vais vous le filmer, après je vais couper. Et nous on va regarder un peu tout ça de plus près. Choupi. Il faut faire gaffe parce qu'il y a des moulures qui sont tombées. Ouais. Eh ben, ça buvait de la bière ici. Non mais les colonnes, oh, ça devait être une pièce. Juste incroyable. 1996, la disquette. J. Reynald. Dossier DSK. Attends, je vais me taire un peu quand même parce que... Merci au précédent surfaxeur. Qu'on est bête. On avait juste à passer là. Compteur. Et je pense pas que des gens sont venus là pour casser ou saccager parce qu'il y aurait eu des tags. Tout ça c'est peut-être à cause des incendies et après peut-être que les propriétaires qui rénovaient, ils ont tout foutu en l'air pour récupérer ce qu'ils voulaient récupérer. C'est génial. C'est vrai. Ouais, vas-y, tiens. J'espère que t'es pas empoisonné ici. T'entendrais pas? On a entendu tous les deux des bruits de pas. Mais c'est peut-être d'autres urbexeurs. C'est pas grave si c'est ça. Oui, non. Ça peut être que ça. Ou... Bon, tu prends en photo. Attends, je vais couper, je reprends après.
Voilà, mais des belles photos. Je suis en amour devant ces colonnes. Ah, choubi. Mais moi, je vois bien ma chambre ici. Ou ma salle de bain. Choubi, qu'est-ce que c'est ça? C'était au-dessus d'une cheminée? C'était un poêle? C'était quoi? Où c'est qu'il y avait une cheminée, hein? Où c'est qu'il y avait une cheminée? Ah, là, bah non. Ça, ça te fait pas penser aux hôtels quand tu mets le courrier des gens? C'était pas un hôtel ici. Ouh là 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 là. Les autres étages, ça sera pas pour nous. J'aurais trop aimé savoir du coup où c'était les trucs de faux plafond, ceci, c'était ça. Fais très attention où tu marches parce que il y a des trous partout. De l'eau. C'est des gouttes d'eau qui tombent en fait. Oh là 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 là. Quand ce coup là là. Quand ça va lâcher. C'est bas et après il y a l'autre étage et que ça passait sous les marches. Oui, mais parce qu'il le rénovait. Mais sinon, ça aurait pu être ça le faux plafond.
cheminée. Des masques en plâtre. Vous voyez le dessous, rassurant. Comme la cheminée, t'as vu les... Mais regarde là, c'est pas une cheminée dans l'angle aussi, qu'il y avait à l'étage? On savait rentrer par là. Oh, c'est quoi ça? Une porte. À partir de quel niveau ça devient dangereux pour que je puisse tomber sans me faire mal? Là, j'y suis. Mais je suis pas sûre qu'elle soit dangereuse, hein, regarde. Mais n'avance pas quoi. Je peux pas. Mais je vois rien alors si je n'avance pas. Je vais monter de l'autre côté. De développement en 1990. C'était au Rwanda. Et une lettre. Papa. Machine au compte-goutte. Ça va. Oh la vache. Qu'est-ce que je t'ai dit? T'as dit quoi? Putain, j'aimerais juste monter, mais juste pour filmer. Non. C'est mouillé aussi. Regarde, c'est quoi tous ces trucs? Je sais pas. Laisse tomber, on n'est pas, c'est bon. Juste pour une vidéo. Hors de question. Le bol est archi mouillé. Ça devait être pour les rénovations là. Celui-là, le petit bout. Ça aussi. Non, on verra pas le haut, de toute façon, il n'y a rien. Et pour la vidéo, on va pas passer à travers. Archi
On vous reprend dans la première pièce, là, par où on est arrivé. J'avais même pas vu. Oh, qu'est-ce que j'aimerais voir des photos de cette pièce quand elle était habitée. Oh, waouh. Bon, par contre, du coup, l'étage, on ne peut pas accéder, donc c'est très, très dommage. Bon, on n'aurait pas vu de choses comme ça et tout, parce que d'en bas, on a essayé de regarder. On voit plus de colonnes. Il n'y a plus rien sur les murs. Le sol, de toute façon, il n'y en a même plus. Ça a été vraiment ravagé de par l'incendie d'il y a plus de 20 ans. Et le deuxième incendie, 20 ans après, en fait, donc en 2018. Donc, ça a ravagé. Mais cette pièce... C'est au cœur de la maison, quoi, qui reste. Ouais, il reste vraiment que ça qui a vraiment du cachet, du charme. Avec, on peut s'imaginer comment c'était avant, quoi. Cette pièce, je l'aime trop. Ça a été mis après, tu crois, pour les ouvriers des ampoules, ou c'était des lustres qui descendaient si bas? Non, je crois que ça a été rajouté. Ouais, parce que ça devait être un central, un énorme lustre. Il a dû tomber dès l'incendie. Voilà. Allez, on se retrouve dehors pour faire un truc dehors. Allez, on reprend que si on a un truc intéressant, sinon on se dit au revoir dehors. S'il n'arrive pas à sortir, on est coincé ici. Donc si vous n'avez pas de nouvelles d'ici fin janvier, parce qu'on n'a pas publié d'autres vidéos, on se trouve au... Tu veux pas les gants ? Je peux faire le tour, parce qu'il est un peu gauche. Au lieu d'atterrir dans la chaise, il va atterrir dans la cave. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Saute pas sur la chaise, elle est pas solide. Hein. Ah, bien joué. Oh. Oh. Touché. Oh. Putain. J'avais ma tête comme ça, j'ai reculé parce que je voulais reprendre une vidéo. Je suis passée. Si j'avais pas le bonnet, j'avais le clou dans la tête. Allez. Oh, j'ai tellement pas envie de partir, je vous jure. Regardez ce qui est stylé. À mon tour, tiens. Ça filme. Oh, mais non. J'ai filmé mon manteau. Je suis sûre que j'ai un tour. Tu décides de faire attention. T'es passé comment? En avant? Non, j'ai mis ma tête, j'ai passé. Et après, j'ai passé mes jambes. Je vais me regarder. Ouais, mais attends, moi, il y a des clous. Tu peux être sûr que ça va être pour ma tronche. Si j'entends du bruit, je te laisse là, je rentre et je ferme. Non, mais là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit de partir en avant, je sais pas sortir en avant. Et ça, t'aurais dû me regarder, sérieux. Quoi? T'aurais dû me regarder. Mais là, c'est pas grave, on va donner des coups. Quoi? T'aurais dû me regarder, comment j'ai fait? Je comprends pas ce que tu me dis. Tu aurais dû me regarder. Bah, c'est bon, les choses sont bien faites. Vous y croyez, ça? J'ai réussi à rentrer, je sais pas sortir. Fais attention au clou. Arrête. Mais quand je suis rentrée, putain. Oh là là, mon jockey. C'est rare quand il m'arrive rien. Je sens le bout de verre dans les fesses, tu vois. Non, mais faut que je me redresse. Ne mets pas trop ton... Mais justement, je me redresse parce que... Ah. Je peux avoir une échelle? Vas-y, tiens, ça tient, allez. T'as posé tes fesses, toi? Oh, ça glisse. Bah oui, ça glisse. Je saurais pas descendre. Mais si, mets ton pied là. Hé, tu me jures que tu tiens? Oui, je tiens. Vas-y, maman, descend plus de la chaise. Poussez-vous, ouais. Poussez-vous. Tu refermes un petit peu. Ah bah oui, il fallait que je passe. Voilà. Remets la chaise où elle était. Oui, parce qu'on remet tout en place après notre passage, hein.
C'est tellement dommage de ne pas avoir eu accès là et là. Et donc vous voyez, oh, mais tout a cramé en fait. Quoi. Tout a cramé. C'est tellement dommage. C'est magnifique. On essaie de faire le tour, voir de derrière s'il y a quelque chose. Je ne peux pas. C'est directement la Douve. Ah oui? Attendez. Bah, on va se quitter là alors. On va se quitter là. Bon, bah, on va se quitter sur cette. Oh, c'est génial de voir ce qu'on fait. Tata. Allez, reste pas trop là dehors. Non, on va se quitter là. Du coup, bah, vous avez vu l'intérieur à part une pièce là où on est rentré, qui est juste splendide. Le reste a pris très très cher à cause des deux incendies, quoi. Et ça fuit à l'intérieur, le bois est pourri. Mais c'est tellement. Ça devait être une pépite. Vraiment une pépite. Voilà, bon, bah, on espère que cette petite exploration vous aura plu. On espère savoir sortir correctement et qu'on ne tombera pas dans l'eau en sortant. Moi j'ai une question. Oui. Je fais un peu le tout nous suit qui a une question. Hein? On a fait un château. Oui. Ensuite une maison close. Oui. Maintenant on a fait un château. Oui. On va où après? Encore une maison close? Non, j'ai d'autres trucs en réserve. Tu verras. Parce que c'est moi qui cherche. Lui non. Celle la pro. Non, c'est parce que lui ne veut pas chercher. Bref, ça c'est donc, nos problèmes. Vous verrez certainement. Pour rentrer et sortir des bâtiments, c'est pas la pro du tout. Hein. Je couperai. Non mais bon, c'est vrai que je suis pas très douée, je suis pas très sportive. Mais bon, allez, on espère que cette expo vous aura plu. En tout cas, nous, moi j'ai adoré. Ça, sauf les parties bon, voilà, qui étaient très très abîmées. Ouais, mais elle est pas abîmée par les gens, c'est ça qu'on veut dire. Ouais. C'est pas saccagé par les gens, c'est juste à cause du temps. Et ça, c'est la première qu'on fait comme ça, où il n'y a aucun tag, rien n'est cassé, rien. Tous les urbexeurs pour marquer leur empreinte, et c'est ce qu'on a fait, et il n'y a rien de mal. Sur les vitres qu'il y avait, tellement qu'elles étaient poussiéreuses, on marquait notre nom et la date. Et je trouve ça génial. C'est une marque éphémère. Ah, elle restera. On reviendra tous les ans, on passe un petit coup. Allez, on vous laisse sur ces images du château où il y a eu le meurtre, les viscères et tout. On n'a rien retrouvé, on n'a rien senti de bizarre. Mais, on a vu on plus vous de jouets que de. Ouais, beaucoup de jouets. Ouais. Non, c'était intéressant, c'était génial. Allez, on vous laisse, on espère que ça vous aura plu. Et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. À bientôt.